Alors il existe aujourd'hui un, un déni de ruralité. Euh, L'architecte Peter Versted dit qu'il existe même une éclipse conceptuelle de la ruralité. On n'arrive plus à la penser comme autre chose qu'une périphérie urbaine parce qu'on ne la nomme plus. Dans le discours universitaire, il y a un discours du tous urbain. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'on est tous modernes. On est tous passés à travers l'ère de la modernité on est tous acquis à l'idée de la rationalité scientifique du productivisme du consumérisme de l'individualisme de la mobilité donc tous urbain ça c'est un sens sociologique on est tous modernes on est tous passés à travers l'ère de la modernité c'est un fait historique mais vous comprenez bien que urbain en français ça a une connotation géographique c'est à dire que dans la langue française, « urbain » fait penser à la ville, un environnement de vie artificialisé, un, la ville dense. Et donc, on observe un glissement progressif du « tous urbain » sociologique, « tous moderne », à l'idée d'un « tout urbain » géographique. Et ça, on le voit par exemple dans l'Insee. En 2010, l'INSEE a carrément éradiqué de son vocabulaire toute notion d'espace rural, même d'ailleurs d'espace périurbain. Il n'y aurait plus en France que des pôles urbains, qui au passage commencent à peu près au niveau du chef-lieu de canton, et des, des aires urbaines. Et c'est ainsi qu'on se retrouve en France avec 96% de la population qui vit en aire urbaine. Donc on a presque l'impression que 96% des Français vivent en ville. Alain nous le, le philosophe, euh, dit « les mots sont plus forts que nous, ils nous conditionnent ». Donc on le voit ça par exemple dans un, un glissement sémantique, un glissement du discours, la dualité traditionnelle ville-campagne, c'est-à-dire milieu de vie artificialisé, milieu de vie de nature anthropisée, aménagée par l'homme, cette dualité ville-campagne est en train de se transformer en une nouvelle opposition urbain Nature. il n'y aurait plus que des urbains et la nature euh, nature sauvage comme si la nature sauvage existait encore en france ce qui n'est pas le cas et quand bien même elle existerait en fait les urbains ne s'y plairaient pas du tout parce que la nature sauvage est dangereuse. donc quand on, on passe de ville campagne à urbain nature qu'est ce qu'on enlève? eh bien on enlève la dimension anthropisée de la nature on enlève les sociétés rurales. Et donc on va éradiquer euh, l'idée de société rurale. C'est pour ça que je dis qu'il y a un déni de, de ruralité. Mon conseil pour sortir de ce déni de ruralité, eh bien, plutôt que d'aller le dimanche après-midi embrasser un arbre, je vous propose plutôt de faire une sortie à la campagne et d'embrasser un gars de la campagne. Ou une fille d'ailleurs, selon les goûts, et vous verrez, ça rend tout aussi heureux. Oui.